Et un peu partout en Polynésie, on a célébré ce 14 juillet, notamment à Nuku'iwa, la capitale administrative et marquise, a respecté la tradition du dépôt de gerbes au pied du monument aux morts, en présence des autorités du pays et de l'État. Les festivités se sont poursuivies sur le front de mer où les associations de toutes les vallées de l'île ont défilé. On écoute Benoît Kautai, le maire de Nuku'iwa. Cette année, c'est un peu exceptionnel, comme ça tombe un dimanche. Et on a démarré la journée par une grande messe. Ce qui est exceptionnel, c'est la présence des militaires, de nos militaires retraités, des militaires en fonction, bon, avec bien sûr des drapeaux dans la cathédrale. Bon, il y a en disant 200 à 300 personnes qui ont défilé, bien sûr, pour fêter la fête de 14 juillet. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.